Comme dans les motets, le principal trait distinctif de cette œuvre est celui du dialogue. L'ensemble instrumental est divisé en deux groupes, appelés d'ailleurs premier chœur et deuxième chœur comme dans une formation vocale. Le discours se distribue entre les deux groupes, un groupe annonçant une idée, idée poursuivie par le second. Cette organisation en deux groupes permet des jeux d'écho. La nuance forte du premier groupe, puis la nuance piano du groupe qui répète, évoque un éloignement semblable à celui de l'écho. Ce contraste de nuances, inversé dans le sens piano pour le premier groupe et forte pour le groupe qui répète, donne un effet de redondance, surenchère du propos riche en dynamique. Cette sonate ressemble à un rondo, composé d'un refrain qui est joué en tutti, c'est-à-dire à tous les instruments. Il contraste par sa verticalité, son écriture en accord. Le refrain est composé d'un motif rythmique répété trois fois et exécuté par tous les instruments. Le quatrième groupe est consacré à la figure de cadence, avec un rythme particulier au cornet qui marque la terminaison mélodique. Voici l'écoute du refrain complet. L'introduction de cette sonate fait appel à l'écriture horizontale. Trois voix entrent en imitation sur le premier motif, successivement la voix supérieure et la basse à partir du la, enfin l'alto à la quinte à partir du mi. Ce principe d'imitation se retrouve à la fin de la sonate, mais dans l'esprit d'une péroraison brillante aux deux cornets, chacun jouant en soliste. L'ornementation à cette époque consiste principalement en traits de gamme pour les cornets à bouquin. Elle permet de fleurir la mélodie et surtout de valoriser l'interprète. Les ornements ne sont généralement pas écrits, mais improvisés sur le vif par le musicien.